Donc là, moi, je dresse les entrées. Ceviche de gambas. Son nouveau tablier, il ne le quitte plus, et pour cause, cette distinction au guide Michelin, Abdelkader en rêvait depuis l'ouverture de son restaurant il y a 2 ans. Alors, pas question aujourd'hui pour ce jeune chef de bouder son plaisir. On est heureux, hein, nous, c'est une reconnaissance qu'on voulait depuis le début, depuis l'ouverture. Donc là, on a ça, donc maintenant, on n'a plus qu'à bosser. Abdelkader Belfatmi fait partie cette année des 50 chefs à avoir intégré le célèbre petit livre rouge. Formé aux plus grandes tables, comme le Val d'Auge à Bondu, ce chef d'origine marocaine revisite les grands classiques, mais à sa manière, en les associant avec des produits africains ou asiatiques, comme cette salade César, agrémentée de beignets croustillants, des tempora d'origine japonaise. Ce qu'on va retrouver dans la cuisine qu'il y a tout le temps, et pratiquement sur tous les plats, que ce soit même sur les desserts, c'est de la fraîcheur. Au niveau, il y a toujours de l'acidité qui est apportée. Quand les clients nous disent quand ils finissent le repas, ils ont toujours bien mangé, en quantité également, mais ils se sentent légers. Difficile de réserver une place pour les 3 prochaines semaines. Son restaurant, d'à peine 20 couverts, affiche complet. Les quelques chanceux qui ont déjà réservé semblent conquis. Nous avons vu qu'il y avait une étoile. On a dit on va essayer. On essaie, on est ravis. Les riz de veau sont excellents. Tout est très bon, excellent. Les parfums, il y a beaucoup de parfums. Un restaurant qu'Abdelkader compte agrandir dès cet été pour répondre à la forte demande.